Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. على الفلاح هيا على الفلاح Oh.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. La traduction de ces versets est comme suit. Dis aux mes serviteurs qui avaient commis des excès contre votre propre âme, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Assurément, Allah pardonne tous les péchés. En vérité, il est le très pardonnant, il est le miséricordieux. Et tournez-vous vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui, avant que ne vous vienne le châtiment, car alors vous ne serez pas secourus. Dieu, dans le Saint-Coran, dans différents versets, et en évoquant différents sujets, il a donné cet espoir à ses serviteurs, à savoir que Dieu, lui, est très pardonnant et il est très miséricordieux à l'égard de ses serviteurs. C'est ce sujet qui a été mentionné dans le premier verset que je viens de citer. Et il y a ici un très beau message pour toute personne qui désire attirer la grâce d'Allah et qui désire profiter de la miséricorde et du pardon de Dieu. Il y a ce message sublime pour toute personne qui a peur du châtiment de Dieu en raison de ses péchés. Allah déclare, « Ô mes serviteurs, ne désespérez pas de ma miséricorde. Je suis le maître et j'ai le pouvoir de vous pardonner. Et j'ai le pouvoir de vous couvrir du manteau de ma miséricorde. » C'est là un très beau message qui fait accroître l'espoir. C'est un très beau message qui met fin à tout désespoir. Ce message dit aussi aux hommes que le désespoir est un péché. C'est ce même message qui nous pousse dans la direction de celui qui nous protège de nos faiblesses. C'est ce même message qui nous pousse vers celui qui nous protège des échecs de notre vie. Il doit en être ainsi, car dans nombre de cas, c'est le désespoir qui nous pousse à commettre des péchés. C'est le désespoir qui est dans nombre de cas la raison des échecs au cours de sa vie. Et quant à celui qui profite de la miséricorde de Dieu, le désespoir et les échecs s'éloignent de lui à grands pas. C'est ce même message qui va nous permettre de suivre les commandements de Dieu, et c'est ce même message qui va nous montrer les voies pour acquérir l'amour de Dieu, afin que nous puissions nous rapprocher de Dieu et afin que nous puissions avancer dans cette voie et afin que nous ne cessions de profiter de sa miséricorde. Ainsi, ce message est une voie éclairante pour toute personne qui s'est égarée. Ce message est un message de vie pour tous ceux qui sont morts spirituellement. C'est un message de liberté pour toute personne qui a été asservie par Satan. C'est un message de liberté pour ces personnes. Notre Dieu est un Dieu bien-aimé, Dieu qui nous accorde son amour ainsi.
Dieu qui dit à ses serviteurs que voilà, Tayasu min rahilla. Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, parce que il est dit la yayasu min rahillahi illa al-qawmul kafirun. Car personne ne désespère de la miséricorde d'Allah, excepté les gens mécréants. Ainsi, si l'on dit croire en Dieu, eh bien, il faudra toujours avoir espoir dans la miséricorde de Dieu et dans son pardon. Dieu dit qu'en raison de vos faiblesses humaines, dans certains cas, vous vous êtes empêtrés dans des péchés. Mais vous n'êtes pas parmi les égarés, vous n'êtes pas parmi ceux qui se sont écartés de la voie de Dieu, parce que ce sont seulement les pécheurs qui désespèrent de la miséricorde de Dieu. Ce sont des personnes qui n'ont aucune certitude en Dieu et en sa Rahmaniya. Le désespoir est un trait de caractère de ceux qui se sont égarés. Allah déclare وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ. Et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur, sinon ceux qui s'égarent. Ainsi, certainement, il ne peut y avoir de meilleur message de miséricorde, meilleur message réconfortant pour ces personnes qui sont soucieux et qui sont angoissés en raison de leur situation. Dieu nous réconforte en disant que nous ne serons pas châtiés immédiatement en raison de nos mauvaises actions. Il déclare au contraire wa rabbukal ghafur dhu rahma. Votre Seigneur est très pardonnant, il est très miséricordieux, parce qu'il dit Kataba arabukum ala nafsihi rahma. Votre Seigneur s'est imposé à sa personne la miséricorde à votre égard. Ainsi, il vous pardonnera vos péchés, ces péchés que vous avez commis par ignorance. Ainsi, vous devez vous consacrer à votre réforme. Si tout en vous réformant, vous allez vous tourner vers lui, vers sa miséricorde, eh bien, sachez qu'il est Ghafur Rahim, il est très pardonnant, il est très miséricordieux. Il n'est pas uniquement très pardonnant, très miséricordieux, il a aussi déclaré « Wa rahmati wasiat kulla shay ». À savoir que ma miséricorde a prééminence sur toute chose. Ainsi, il n'est plus question ici que des croyants. Cela ne concerne pas uniquement les croyants ici. Cette miséricorde a aussi de l'effet sur les kafirs. Et ainsi, cette miséricorde doit s'appliquer aux croyants. Dieu peut pardonner tous les péchés et il pardonne les péchés. Voilà ce qu'il annonce. Il est le maître et il n'a pas de restriction sur lui pour pardonner. Il n'a pas de condition à suivre pour imposer son pardon. Mais face à ce Dieu qui est très gracieux, face à ce Dieu qui est très aimant, est-ce que nous ne devons pas, quant à nous, suivre ses préceptes? Est-ce que nous ne devons pas éprouver de l'amour pour lui, grandir de notre amour? Est-ce qu'il ne nous sied pas de nous rapprocher davantage de lui et de faire de notre mieux pour mettre fin à nos péchés et à nos manquements? Ce sont autant de faits que j'ai évoqués à la lumière des versets du Saint-Coran. Ceux-ci ont été évoqués aussi dans les hadiths du Saint-Prophète Mohammed, celui des hadiths qui nous sont parvenus. À la lumière de tout cela, l'on comprend qu'il n'y a personne qui ne peut se réformer. Il est impossible de dire que quelqu'un ne pourra pas se réformer. Tout le monde pourra se réformer
Et tout le monde peut profiter de la miséricorde générale de Dieu. Toute personne peut mériter cette miséricorde de Dieu. On pourra profiter de cette miséricorde à condition que l'on va faire des efforts pour se réformer, pour apporter des changements purs dans sa conduite. Quelques jours auparavant, une femme a écrit un article dans un journal qui traite des faits religieux. Elle a dit que dans le Saint-Coran, on trouve mention à foison le châtiment de Dieu. Et on ne trouve même pas mention du terme « amour » dans le Saint-Coran. Le terme « amour » a été utilisé que dans quelques endroits. Et elle dit que l'on ne peut dire à propos des musulmans qu'ils peuvent croire en Dieu de leur propre chef ou en raison de leur amour pour Dieu. Elle a cité des versets hors contexte, où elle a cité ces versets à tort et à travers. Et elle a tiré cette conclusion que le Dieu de l'islam est un Dieu qui ne sait que châtier, que punir. C'est un Dieu qui est sévère. En tout cas, la Jamaat est en train de répondre à cet article. Mais je viens de vous présenter quelques références tirées du Saint-Coran. Là-bas, on est en train d'accorder cet espoir aux croyants et ces versets répondent aussi à ces ennemis de l'islam. Ceux qui mentent au nom de l'islam et ceux qui éprouvent de l'animosité à l'égard de l'islam et du Saint-Coran. Dieu est Al-Malik, il est pardonnant. C'est un attribut de Dieu. C'est un attribut de Dieu qui a prééminence sur tout autre attribut. Et Dieu est pardonnant, il est miséricordieux. Un autre signe de sa miséricorde est qu'en dépit des péchés et des excès de conduite de l'homme, Dieu ne châtie pas les hommes immédiatement. Certes, il châtie ceux qui ne cessent de commettre ces péchés, ceux qui outrepassent ses limites et ceux qui s'entêtent à commettre ses péchés. Allah déclare que si vous agissez ainsi, vous serez puni par moi. Si vous ne cessez de commettre ces péchés et si vous n'arrêtez pas, eh bien, vous serez châtié. Telle est la loi de la nature, telle est la loi de ce monde. Mais Allah déclare qu'il est Ar-Rahman. Un temps viendra où il n'y aura personne en enfer. La miséricorde de Dieu est grande. La miséricorde de Dieu est infinie. Dans ce verset, Allah a évoqué sa miséricorde et son pardon. Et il a déclaré que si vous ne profitez pas de ma miséricorde et de mon pardon, eh bien, vous serez châtié en raison de vos péchés et de vos excès de conduite. Mais telle est ma miséricorde. Je vous accorde ma miséricorde et mon pardon. C'est pour cette raison que je vous attire à plusieurs reprises à ce sujet. Protégez-vous-en, demandez pardon avant qu'un châtiment ne vous entoure. Si vous commettez ces injustices et que vous outrepassez les limites, eh bien, il se peut que vous tombiez sous le coup de mon châtiment. Qui peut critiquer cela, hormis celui qui est aveugle, celui qui est aveuglé par son inimitié et son hostilité? Quand ils passent des lois dans leur pays, eh bien, ils désirent punir les coupables. Mais ces mêmes personnes disent, pourquoi est-ce qu'Allah déclare qu'il va punir ceux qui outrepassent les limites, ceux qui commettent des péchés? Le Dieu de l'islam est un Dieu très pardonnant. L'on va comprendre cela grâce à ce récit. Hadrat Abu Saïd radiallahu anhu déclare que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a déclaré
qu'il y avait une personne parmi les enfants d'Israël qui avait tué 99 personnes. Il est en train de citer cet exemple pour nous faire comprendre que la miséricorde de Dieu existe de tout temps et existera pour toujours. Il est dit donc dans ce hadith que cette personne avait tué 99 personnes et voulait se repentir. Il est parti voir un moine et il lui a demandé s'il pourra être pardonné. Le moine lui a dit « Non, tu ne seras pas pardonné ». Et il a tué ce moine. Et il n'a cessé de chercher des réponses ici et là, s'il sera pardonné pour ses manquements, ses péchés. Et quelqu'un lui a dit « Va dans telle ville ». Et lorsqu'il était en cours de route, il est décédé. Et lorsqu'il allait mourir, il a tourné sa poitrine dans la direction de sa destination. Il est décédé dans la direction de sa destination. Les anges de la miséricorde et de la punition sont venus et se sont disputés. Et Allah a dit à cette ville vers laquelle il partait de se rapprocher de son cadavre. Et il a dit de la ville de laquelle il était parti de s'éloigner davantage de lui. Et Dieu a demandé aux anges de mesurer la distance entre son cadavre et ces deux villes. Et on a constaté qu'il était plus proche de sa ville vers laquelle il partait. Il était plus proche de cette ville d'un empan. Et Allah lui a pardonné pour cela. Voilà donc le Dieu de l'islam. Voilà le Dieu de l'islam qui aime pardonner au lieu de châtier. Ce Dieu de l'islam dont la miséricorde est infinie. Dans un autre hadith, Hadrat Abu Dhar radhiyallahu anhu déclare que le saint prophète Mohammed a déclaré que Dieu a déclaré au fils d'Adam, tu ne m'implores pas et tu n'as pas d'espoir en moi. Si tu ne commets pas le shirk, eh bien, je te pardonnerai tes péchés, même si tes péchés sont aussi grands que la terre. Même si tu as commis autant de péchés, je t'accorderai ma miséricorde, mon pardon, qui sera aussi grand que la terre. Et si tes péchés atteignent le ciel et que tu me demandes mon pardon, eh bien, je te pardonnerai. Et je ne m'en soucierai guère. Voilà donc le Dieu de l'islam, ce Dieu qui est pardonnant. C'est là une grande faveur que Dieu nous a accordée à nous les croyants, que tous les ans, il nous accorde ce mois béni du Ramadan. Et au cours de ce Ramadan, les portes de son pardon s'ouvrent pour nous. Il y a un autre récit concernant le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu au cours du Ramadan. Nazar bin Sha'ban déclare que j'ai dit à Abu Salma bin Abdurrahman, « Dis-moi quelque chose que ton père a entendu à propos du mois du Ramadan, quelque chose qu'il a entendu directement de la bouche du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Abu Salma bin Abdurrahman a déclaré que « Mon père m'a raconté que le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a déclaré que Dieu a enjoint le Ramadan, le jeûne du Ramadan. » Il a déclaré que « J'ai établi pour vous le Ramadan. Celui qui, tout en possédant la foi, en désirant mériter récompense, va jeûner, eh bien, il va se débarrasser de ses péchés comme le jour de sa naissance. C'est-à-dire, il sera aussi innocent qu'un nouveau-né. Ainsi, cela nous importe peu ce que pensent les ignores à propos du Dieu de l'islam. Nous, nous savons, quant à nous, que notre Dieu est plus aimant que nos parents. Il nous aime plus que nos parents et il est très pardonnant. Et c'est un Dieu qui court dans notre direction afin qu'il puisse nous pardonner, nous, ses serviteurs. Il y a un autre hadith concernant le mois du Ramadan.
On a évoqué les bénédictions du Ramadan dans ce hadith. Salman radhiyallahu anhu déclare que durant les derniers jours du mois de Shaaban, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, s'est adressé à nous. Il a dit, il y a un grand mois qui va venir bientôt. Pendant ce mois, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Allah vous a demandé de jeûner pendant ce mois. Et il a dit que c'est un acte surérogatoire que de prier pendant la nuit au cours du mois du Ramadan. Wa shahrun awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqu minan nar. Les 10 premiers jours de ce mois sont miséricorde, les 10 jours du milieu sont les jours de pardon. Et les 10 derniers jours sont les jours pour se protéger du feu de l'enfer. Et celui qui a donné de quoi à manger à un jeûneur sera abeuvré à la source de Dieu, tant et si bien qu'avant d'entrer au paradis, il n'aura jamais soif. C'est-à-dire que ses péchés du passé seront pardonnés et il n'aura pas la force de commettre d'autres péchés. Si l'on va jeûner tout en respectant ses devoirs envers le jeûne, et si l'on va accomplir des prières surrogatoires, et si l'on va adorer Dieu. Ainsi, à chaque pas, Dieu est en train de créer ses moyens pour nous, des moyens pour que nous puissions entrer au paradis. Nous sommes en train de vivre les jours du Ramadan, et la deuxième décade du Ramadan se termine bientôt, et les 10 derniers jours vont débuter demain ou après-demain. Et ces 10 derniers jours sont porteurs de nombre de bénédictions, comme il est dit dans les hadiths. Il s'y trouve la Laylatul Qadr. La Laylatul Qadr qui est un très grand moyen pour que ses prières soient exaucées et pour que l'homme se rapproche davantage de Dieu. Ainsi, durant ces 10 derniers jours, vous devez prier davantage et vous allez devoir faire des efforts conséquents en ce sens. Il faut faire en sorte que tout ce que l'on a acquis au cours de ce mois fasse partie intégrante de sa vie. Afin que l'on puisse toujours profiter du pardon de Dieu, de la miséricorde de Dieu, durant ces jours, il faut se réformer, il faut s'acquitter de ses devoirs envers le Ramadan, surtout durant ces 10 derniers jours. Il est important de faire des efforts conséquents pour que l'on puisse se débarrasser de ses péchés, pour que l'on puisse être à l'abri des péchés à l'avenir et pour que l'on puisse être à l'abri pour l'éternité de l'enfer. Il est important de faire des efforts en ce sens. Il faut faire des efforts pour toute tâche. Sans faire des efforts, l'on ne pourra rien accomplir. Voilà un principe général. Et on attend du véritable croyant qu'il ne va pas regarder d'un œil superficiel toutes ces bonnes nouvelles qu'il a reçues de la part de Dieu, tout le message que Dieu lui a donné et tous ces messages d'espoir qu'il a reçus du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. On attend du croyant qu'il ne va pas regarder tout cela d'un œil superficiel, mais que lorsqu'il va entendre ces paroles, il aura l'ardent désir que ces qualités fassent partie intégrante de sa vie, et ce désir lui sera avantageux lorsque il va prendre des mesures pratiques pour accomplir cela. Et ces efforts pratiques vont porter des fruits, vont lui ouvrir les voies du succès lorsqu'il va suivre ces principes. Lorsqu'il va suivre cette voie, afin qu'il puisse atteindre cet objectif. Certes, la miséricorde de Dieu est infinie. Certes, au cours du Ramadan, les récompenses sont multipliées. Certes, au cours du Ramadan. Certes, le Ramadan est un moyen pour mériter la miséricorde de Dieu, pour mériter le pardon de Dieu, pour s'éloigner de l'enfer. Mais l'on pourra profiter de cela lorsque l'on va faire des efforts avec zèle et ardeur. Ainsi, chanceux est celui d'entre nous. Chanceux sera celui d'entre nous
qui, au cours de ce mois du Ramadan, va faire en sorte que ce mois soit un moyen pour mériter le pardon de Dieu et pour se libérer de l'enfer. Que l'on puisse aussi mettre fin à ses faiblesses et que l'on puisse aussi se protéger de ses péchés pour tout le temps. Que ce Ramadan soit cette borne pour nous, une borne qui va toujours nous éloigner du péché et qui va toujours nous mener vers la voie de la vertu. Que nous ayons une haine à l'égard du péché, tant et si bien que jamais nous ne soyons enclins à commettre ces péchés. Que nous soyons toujours enclins vers la vraie torba et que nous puissions accomplir cette torba qui va toujours nous rapprocher de Dieu. Comment accomplir cela? Comment mériter la vraie torba? Cette torba qui va nous éloigner du péché. À ce sujet, je vais citer le Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam déclare « La torba est en vérité une méthode très efficace pour acquérir les excellences morales. Si l'on désire se rapprocher de Dieu, eh bien c'est la torba qui va jouer un rôle prépondérant dans ce domaine, qui va nous aider pour acquérir ces qualités. C'est grâce à cela que l'on pourra progresser. C'est la torba qui va nous aider. » Il a déclaré « C'est la torba qui tend à parfaire l'homme. » C'est-à-dire, celui qui désire apporter une transformation ses vertus doit, avec un cœur sincère et une volonté à toute épreuve, faire sa pénitence, sa torba. Sachez que la torba est sujette à trois conditions. La pénitence n'est donc point une formalité. Sans respecter ces trois conditions, l'on ne pourra pas faire sa vraie pénitence, qui est appelée la torba de nusur. La première condition à respecter se nomme Iqla en langue arabe. Cela consiste à se débarrasser de ces pensées perverses qui attisent en l'homme ses mauvaises habitudes. Il est un fait que la pensée possède un effet puissant, car tout acte est imaginé dans l'esprit avant d'être perpétré. Ainsi, la première condition de la torba est d'éradiquer toute pensée perverse et toute idée malsaine. À titre d'exemple, si un homme désire entretenir une relation illicite avec une femme, la première étape dans sa torba consiste à enlaidir cette femme dans son esprit et de concevoir en son cœur ses mauvaises habitudes. Car comme je viens de l'exprimer, la pensée a un effet très puissant. J'ai lu que les soufis poussent leur imagination à un point où, à leurs yeux, les hommes deviennent singes et porcs. En somme, la réalité prend la forme de l'imagination. Ainsi, il convient d'éradiquer ces pensées qui incitent au plaisir illicite. Il faut se débarrasser de ces pensées qui incitent au plaisir illicite. Ça, c'est la première condition. Les remords et la deuxième condition. La conscience qui existe en chaque être humain est à même de l'avertir concernant tout mal. Mais l'homme méchant néglige quant à lui sa conscience. Commettre un péché doit engendrer de l'inquiétude et doit faire comprendre à cette personne que ses plaisirs sont temporaires. Que l'on sache aussi que ses plaisirs s'amenuisent de jour en jour. En fin de compte, une fois la vieillesse atteinte, les fonctions s'affaiblissent et deviennent inopérantes. En fin de compte, l'on doit abandonner tous ses plaisirs. Étant donné que l'on doit, au cours de sa vie, abandonner de son propre chef ses plaisirs, eh bien, que va-t-on acquérir en les perpétrant? Chanceux est celui qui retourne vers Dieu en faisant sa pénitence et qui, dès le premier instant, éradique les pensées perverses et toute idée malsaine. Quand la souillure et l'impureté disparaissent, il faut avoir du remords et avoir honte de ses mauvaises actions. La volonté, la troisième action, c'est-à-dire de prendre la ferme résolution de ne pas retourner vers les péchés. Quand l'intéressé sera constant dans l'exercice de sa volonté, Dieu lui permettra d'accomplir la vraie torba, tant et si bien que les péchés l'abandonneront et seront remplacés par des vertus et seront remplacés par des actes louables. Ce sera la victoire sur ses mœurs.
C'est Dieu qui lui accordera la force nécessaire, car c'est Dieu qui est le Maître Tout-Puissant, tout comme il est dit, « Anal quwwata lillahi jami'a » « Toute puissance appartient à Dieu ». L'homme, quant à lui, repose sur de frêles assises. Il est faible, tout comme il est dit, « Khulika l'insanu da'ifa ». Ainsi, il faut suivre ces conditions afin de recevoir cette aide de la part de Dieu. Il faut mettre de côté ses négligences et implorer l'aide de Dieu. Et c'est là que Dieu va apporter des changements. Voilà donc les directives du Messie promis, alayhi salam. Il y a des personnes qui disent que nous avons prié pour que nous soyons à l'abri de tel ou tel péché, mais nous n'avons pas pu nous libérer de ces péchés. Ces personnes disent que Dieu n'a pas exaucé nos prières. Il y a certains pères, certaines mères qui sont inquiets à propos de leurs enfants, à propos des jeunes qui ont de mauvaises habitudes. Ils disent que nous avons fait des efforts, nous avons prié, mais nos prières n'ont pas été exaucées. Ce concept est tout à fait erroné. Je vous présente de nouveau les moyens pour que vos prières soient exaucées. Il y a certaines conditions à respecter. Il est important de respecter toutes ces conditions. Prier pendant 4 jours pour dire par la suite que nos prières n'ont pas été exaucées sera placé sur l'épaule de Dieu ses propres manquements, ses propres inaptitudes. En tout cas, comme je l'ai dit, je vais me tourner vers le Messie promis alayhi salam qui nous a appris comment éviter le péché, comment accomplir la torba. Je viens de présenter les dires du Messie promis alayhi salam. Et le Messie promis alayhi salam est en train de dire ici que il y a certaines conditions à respecter si l'on veut éviter les péchés, si l'on veut accomplir la torba. Il y a des efforts à faire. Il y a des actions à accomplir, il y a des méthodes à suivre. Si vous allez agir en ce sens, c'est là que vous allez voir le résultat escompté. Et pour éviter les péchés, vos prières seront exaucées lorsque vous allez prendre des mesures pratiques. Si vous ne prenez pas des mesures pratiques, mais si vous vous contentez de prier pour dire ensuite que vos prières ne seront pas exaucées, eh bien, ce sera comme si vous désirez commettre des péchés. Si vous voulez vous débarrasser de ces péchés, si vous voulez vous réformer, accomplir de bonnes œuvres, eh bien, vous devez respecter ces 3 conditions, comme le dit le Messie promis alayhi salam. Ensuite, vous devez prier et vos prières seront exaucées et vont vous soutenir et vous allez pouvoir vous libérer de ces péchés. Et comme je l'ai dit, le Messie promis alayhi salam a déclaré que l'on doit tout d'abord se débarrasser de ses pensées infâmes. L'homme imagine tout d'abord le plaisir qu'il peut tirer d'un acte illicite et c'est là qu'il est poussé à commettre ce péché. Si vous vous débarrassez de telles pensées, si vous vous débarrassez de ce désir de commettre ce péché, si vous abominez ce péché, eh bien vous n'allez pas commettre ce péché. On imagine tout d'abord cet acte, on imagine aussi le plaisir que l'on va en tirer et c'est là que l'on est intéressé à commettre ce péché. Ainsi, la première mesure pratique à prendre pour que l'homme puisse éviter les péchés est qu'il doit débarrasser son esprit de ses pensées infâmes ou de ses plaisirs temporaires. Le Messie promis alayhi salam a cité l'exemple de quelqu'un qui veut avoir des relations illicites avec une femme, qui veut se lier d'amitié avec une femme étrangère. Ainsi, au lieu d'avoir de bonnes pensées à l'égard de cette femme, il faut l'enlaidir dans son esprit. Au lieu de voir sa beauté, au lieu de voir ses qualités, il faut la considérer comme la femme la plus laide. Et il faut avoir en tête ses défauts, ses péchés, ses manquements. Et il faut faire naître en soi une image des plus abominables de cette personne. Et c'est là que l'on pourra s'en éloigner. La deuxième condition qu'il a évoquée, il a dit que vous devez aussi affiner votre conscience, vous devez réfléchir
quels sont les péchés que je vais commettre. Et il faut aussi se soucier de son état. Il faut aussi avoir des remords concernant son état. Si on va passer par de tels états, c'est là que l'on pourra se libérer de ses péchés. Ensuite, la troisième condition, dit-il, est que l'on doit avoir une volonté à toute épreuve, à savoir que je ne vais pas me rapprocher de ses péchés. Et quand on va faire des efforts en ce sens, lorsqu'on va maintenir cette volonté, c'est là que Dieu va vous accorder la possibilité d'accomplir la vraie torba et va aussi exaucer vos prières que vous avez accomplies pour éviter les péchés. Voilà donc les actions à entreprendre avant que ces prières soient exaucées. Il ne faut pas du matin jusqu'au soir, du soir jusqu'au matin, commettre des péchés, s'empêtrer dans le mal, et de se contenter de prier pour quelque temps et de demander à Dieu de nous protéger de ses péchés. Cette action prouve que l'on n'est pas en train de prier en toute sincérité. Il y a la conscience qui est cachée en son fort intérieur. Cette conscience en son fort intérieur lui a rappelé un instant son état. Et suite à ce sentiment temporaire, il était enclin à accomplir des prières. Et lorsqu'il a vu des péchés devant lui, eh bien, son désir a mis fin à cette conscience. Cela a eu le dessus sur ses remords. Si l'on vit dans un tel état, l'on ne pourra pas se pécher, de pécher en permanence, et l'on ne pourra pas non plus accomplir les prières comme il se doit. Au contraire, c'est comme si l'on est en train de se moquer des prières. C'est comme si l'on est en train de placer des restrictions sur Dieu. Allah n'est lié à personne. Ainsi, pareil, personne ne doit se souvenir de ce point, que s'il désire profiter du pardon de Dieu, s'il désire être héritier des faveurs divines, s'il désire que leurs prières soient exaucées, dans ce cas, ils vont devoir se soucier de leur état. Tout comme je l'ai dit auparavant, Dieu est miséricordieux à l'égard de ses serviteurs et il recouvre ses serviteurs de sa grâce et il est toujours prêt à le faire. Est-ce que tout cela n'exige pas de notre part que nous devons, nous aussi, suivre les préceptes de Dieu, le commandement de Dieu et implorer le pardon de Dieu et attirer sa grâce et sa miséricorde? Nous devons attirer sa miséricorde, cette miséricorde qui est accordée aux véritables croyants, à ses véritables serviteurs. Et nous devons aussi éviter ces péchés qui peuvent attirer son courroux en dépit de sa grande miséricorde. Notre torba doit être sincère et nous devons tout le temps nous prosterner devant Dieu. Le Messie premier, alayhi salam, déclare: purifiez vos œuvres, consacrez-vous constamment au souvenir de Dieu et ne soyez point négligents. Si la proie en fuite fléchit un tant soit peu, eh bien elle tombera entre les mains du chasseur. De même, celui qui néglige le souvenir de Dieu devient la proie de Satan. Maintenez toujours vivant votre torba et ne la laissez jamais mourir, car c'est le membre qu'on utilise qui restera actif. Le membre qu'on abandonne sera pour toujours atrophié. Ainsi, accomplissez toujours la torba, de peur qu'elle ne tombe en désuétude. Si vous n'avez pas accompli la vraie torba, elle sera à l'instar de la graine que l'on a semée sur de la rocaille. La vraie torba, quant à elle, ressemble à cette graine plantée dans une terre fertile et qui porte ses fruits au moment venu. Aujourd'hui, de grandes difficultés entravent la voie de cette torba. Il s'agit des convoitises et des plaisirs de ce monde. Le Messie premier, alayhi salam, déclare que les armes de notre victoire sont le repentir, la pénitence, la torba, l'acquisition du savoir religieux, le fait d'avoir en vue la grandeur de Dieu et l'accomplissement des cinq prières quotidiennes. La salat est la clé de l'exaucement des prières. Quand vous accomplissez la salat, suppliez Dieu et ne soyez point négligents et évitez tout péché qui a trait aux droits de Dieu ou à ceux des hommes. Qu'Allah fasse que nous puissions accomplir cette vraie torba
et que nous puissions toujours hériter des faveurs de Dieu et que nous puissions mériter toutes les bénédictions qui sont liées au Ramadan. Après la prière de Jumma, je vais diriger les prières funéraires en absence de trois personnes. La première prière funéraire est celle de Mokaram Mohamed Imtiaz Ahmad Saheb, fils de Mushtaq Ahmad Saheb Tahir de la région de Nawabshah. Il est tombé en martyr le 14 juillet dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt avait environ 39 ans. L'après-midi, vers 16h30, deux inconnus à moto sont venus dans son magasin et lui ont tiré dessus et il est tombé en martyr. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Selon les détails qu'on a reçus, Mohamed Imtiaz Saheb, le défunt de Nawabshah, avait un magasin et il était dans son magasin quand deux personnes à moto sont venues et lui ont tiré dessus avant de prendre la fuite. Il a reçu trois balles, deux balles à la tête. Ces balles lui ont traversé la tête de droite à gauche et la troisième balle, il l'a reçue à la main. En tout cas, il est tombé en martyr sur le coup. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est le 9e martyr à Nawabshah suite à ses campagnes de haine à l'égard de la Jamaat. Au cours de ces quelques dernières années, il y a eu un grand nombre de martyrs dans cette région. Deux, trois jours auparavant, quelqu'un avait informé le martyr que certains sont en train de faire un complot contre lui. On peut prendre toutes les précautions possibles. De toute manière, l'on va devoir sortir. Et l'ennemi profite de ces occasions. Ce fut le grand-père du martyr qui avait embrassé l'Ahmadiyya la première fois en 1935. Il s'appelait Mokaram Seyyed Mohammeddin d'Amritsar. Il avait embrassé l'Ahmadiyya par l'entremise de Niamatullah Saheb de Wazirabad. Et en 1947, il s'est établi à Nawabshah, au Pakistan. Le martyr est né en 1975. Et après ses études, il s'est occupé du business de son père en compagnie de celui-ci. Il a servi la Jamaat à différents postes. Il était le président de son quartier. Au moment de son martyr, il a été secrétaire Tahrik Jadid, secrétaire Islahul Irshad de la ville. Il a été Qaid Khudamul Ahmadiyya de la ville de Nawabshah. Il a aussi été Nazim Islahul Irshad de la région. Il a aussi été Nazim Tahrik Jadid. Il a aussi été secrétaire Wakfenaw et secrétaire Ziafat. Et il a aussi été secrétaire Dawatilallah. Le défunt était toujours prêt à servir la communauté. Il accomplissait de gaieté de cœur toute tâche qu'on lui confiait. Jamais il n'a refusé une tâche quelconque. Il avait un très grand sens de l'hospitalité et il s'occupait très bien de ses invités. C'était une personne très simple et il avait un très grand amour pour le califat. Il était animé d'une grande obéissance. Il priait 5 fois par jour. Il accomplissait la prière Tahajjud. C'était une personne qui parlait toujours d'une voix douce. C'était une personne qui avait aussi l'habitude de pardonner aux autres. Il avait pu partir pour Qadian, pour la Jalsa l'année dernière. Le jour de son martyr, un jour du Ramadan, il avait préparé des denrées pour des personnes démunies et il avait distribué cela dans 7 maisons avant de retourner dans son magasin. C'est quand il est retourné dans son magasin que ses assaillants lui ont lancé cette attaque sur lui. Ses infâmes lui ont tiré dessus et il est tombé à martyr. Par la grâce de Dieu, il était moussi et il était aussi le neveu de Seyyed Mohamed Yusuf Shahid, l'ancien amir de la région de Nawabshah. Son père, Mushtaq Ahmad Saheb, est toujours vivant et le défunt laisse derrière lui son épouse, Nabila Imtiaz Saheba, 3 fils, Omar qui a 10 ans, Abdul Basit qui a 9 ans
et Mohamed Abdullah qui a 7 mois. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Mukarram Nasir Ahmad Anjum Saheb, qui est un Wakfi Zindagi et qui a été aussi enseignant à la Jamia Ahmadiyya de Rabwa. Il a complété ses études élémentaires en 1981. Ensuite, il a dédié sa vie et il a enseigné au sein de la Jamia. Il a aussi complété sa licence après la Jamia. Il a fait sa maîtrise en langue arabe. Et il avait aussi étudié la langue russe. Il a complété ses études à la Jamia en 1988. Et ensuite, il est parti travailler. Il a travaillé dans différentes jamaat. Et en 1990, il s'est spécialisé dans l'étude des religions comparées. Et après s'être spécialisé dans ce sujet, il a commencé à enseigner au sein de la Jamia. Et depuis le 18 juillet 1999, il a été enseignant au sein de la Jamia. Il enseignait l'étude comparative des religions et il a accompli cette tâche jusqu'à ses derniers jours. Il a servi la communauté pendant 24 ans et par la grâce de Dieu, en dépit de son jeune âge, il était un érudit dans son domaine. Il était une autorité dans son domaine par la grâce de Dieu. Il avait une connaissance profonde de son sujet. Il avait aussi occupé plusieurs postes en sus de son travail à la Jamia. Il était parmi les premiers membres de la Qada choisis par le quatrième calife. Il a aussi été membre de la Majlis-e-Ifta et de la cellule de recherche. Il a occupé plusieurs postes au sein de la Khuddam al-Ahmadiyya. Une autre de ses qualités est qu'il n'aimait pas qu'on parlait contre la Nidam et Jamaat. Si un de ses enfants avait parlé contre un responsable de la communauté, il les réprimandait. Et si une personne parlait contre une décision de la Jamaat ou contre une personnalité de la Jamaat, il rappelait à l'ordre cette personne. Il a participé à la Jalsa Salana du Royaume-Uni et en 2010, il avait prononcé un discours lors de la Jalsa Salana. Il m'avait écrit la dernière fois. Il avait fait sa demande de visa. Sa demande a été refusée. Et il avait fait une deuxième demande. Il avait une relation très proche avec le califat, par la grâce de Dieu. Il était parmi les véritables sultans et nassirs du calife. Il aimait prêcher le message de l'Ahmadiyya partout pour prêcher le message. Il maîtrisait très bien ces sujets et il avait pu convaincre de nombreuses personnes, même de grands intellectuels. Sa fille a écrit, sa fille Khadija Mahm, qu'il avait un très grand amour pour le Messie Promet l'Islam et encourageait les autres à lire les ouvrages du Messie Promet l'Islam. Il était en train de préparer un lexique des ouvrages du Messie Promet l'Islam. Il voulait transmettre ce trésor aux autres, un dictionnaire des termes difficiles du Messie promis al-Salam, afin que les gens puissent profiter des écrits du Messie promis al-Salam. Il avait commencé cette tâche récemment. Mubashir Yassab a écrit que le défunt était un très grand orateur. Il avait participé dans différentes émissions, Rahéouda et les autres émissions, et il présentait toujours des réponses très convaincantes. Qu'Allah lui accorde son pardon, qu'Allah exalte son statut et qu'Allah fasse qu'il y ait au sein de la Jamaat d'autres érudits qui mettent en application les préceptes de Dieu. La troisième prière funéraire sera celle de Mokaram Sahibzada Musa Anwar Saheb, qui était un des fils de Hadrat Muslim Maoud et le fils de Hadrat Oumé Nasir. Il est décédé lundi dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il avait complété ses études élémentaires en 1984 et il avait étudié au collège d'agriculture selon le désir du deuxième calife.
et il avait travaillé sur la construction d'un bâtiment devant la Majlis Mubarak. Il avait aussi travaillé sur la Darou Ziafat. En 1982 et 1983, il avait été officier Langar Khana. Il a été aussi Naib Nazir Umnouriyama. Le deuxième calife lui avait confié la responsabilité de ses terres. Le défunt s'était marié avec Sahibzadi Sahiba Begum Sahiba, fille de Mukarram Mirza Rashid Ahmad Sahib. Il a laissé derrière lui trois filles et un fils. Il était le dernier petit-fils du Messie premier Islam, dans le mariage duquel Hadrat Amajan avait participé. Hadrat Amajan, l'épouse du Messie premier Islam. Le docteur Nouri a écrit que j'ai eu l'occasion de servir le défunt depuis les 30 dernières années. C'est une personne qui possédait de grandes qualités, d'un très grand sens de l'hospitalité. C'était une de ses grandes qualités. Et une autre de ses qualités est qu'il était toujours de bonne humeur. Et il aimait faire des plaisanteries. Même dans des réunions très sérieuses, il aimait faire des plaisanteries et ranimer un peu ses réunions. Le docteur Nouri écrit que le défunt venait souvent à la Tahrir Institute pour aider les démunis, me confier les sommes pour aider ces personnes. Le défunt était le frère de ma mère. Il y avait une relation très proche avec lui. Il venait souvent chez nous et il a maintenu cette relation. Et il a maintenu cette relation avec moi. Il me téléphonait souvent et exprimait ses sentiments à mon égard. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. Qu'Allah exalte son statut. Qu'Allah fasse que ses enfants soient eux aussi fidèles envers le califat. Son épouse est très malade. Qu'Allah lui accorde sa miséricorde et sa grâce. Comme je l'ai dit, après la prière de Jumma, je vais diriger la prière funéraire en l'absence de ces personnes. Alhamdulillah, 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 nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nastaghfiruhu, wa nu'minu bihi, wa natawakkalu alayhi, wa na'uzu billahi min shururi anfusina, wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ